Dans le reste de l'actualité, la société Transval de Lys a été cambriolée la nuit dernière. Le dépôt de bus situé à Comines a reçu la visite de 3 ou 4 voleurs. Vers 2 heures du matin, des hommes ont pénétré le site en défonçant le grillage. Les cambrioleurs étaient bien renseignés. Ils ont percé là où il fallait pour accéder au coffre et se sont ensuite servis d'un bus pour les extraire. Le butin est relativement faible et maigre, 3 à 4 000 euros, ainsi que des tickets restaurants. L'arrivée d'un conducteur de bus vers 4h30 les a poussés à prendre la fuite. Suite à ce vol, le trafic a été légèrement perturbé jusqu'à 7h30. On écoute à ce sujet le directeur de la société au micro de Mathilde Espinard. Ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude, heureusement. Et bon, ce qui était quand même notre préoccupation essentielle, c'était de faire redémarrer l'exploitation parce qu'on avait des clients qui nous attendaient. Donc, on a pu le faire à partir de 7h30, ce qui était un moindre mal pour les clients. Voilà, après, à nous de faire le nettoyage. On va penser à remettre le courant, on va penser à nettoyer, on va penser à faire réparer les murs. Et puis, on verra après.